Bonjour mes Tulusseurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je suis là pour faire une nouvelle vidéo, c'est de 24 livres pour 2024. Du coup voilà, et on va commencer tout de suite parce que 24 livres ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Puis avant ça aussi je fais le défi de 12 livres un par mois. Je sais plus le nom de la personne, je mettrai en barre d'infos. À table, challenge à la table. Du coup, j'ai en cours ça aussi. Du coup, on va commencer par un graphique. J'en ai mis qu'un, je crois. Enfin, deux. La puce, le tome 2, en poche. J'ai lu tome 1. Et j'ai toujours pas commencé le tome 2, du coup il faut absolument que je commence le tome 2 aussi. Voilà, je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'était un tome 2. Et voilà, je suppose que beaucoup de gens l'ont déjà lu. Mais moi j'attends en poche, du coup voilà. Un autre tome 2 que je vous parlerai pas non plus, c'est... Je vous montre le titre parce que c'est Valdris Linda et c'est de Céline E. Nicole. J'ai lu le tome 1 fin décembre, début janvier. J'ai fini au début janvier. Du coup, je me dis lire le tome 2, ce serait bien aussi. On peut s'y dédicacer. Il a été. Je l'ai pris à Mons du coup, du mois de novembre de l'année passée. Du coup, je voudrais bien continuer la série. Et voilà. Après, il y a Hook. Oh, j'ai pas parlé. Il n'y a pas de maison d'édition ici, je crois que c'est auto-édité. Ouais. Du coup, après, il y a Youk, je crois que c'est comme ça se dit. Michel Kestrick, chez Plume du Web. Même les méchants peuvent éprouver des sentiments. C'est une réécriture de Peter Pan. Et j'en ai entendu que du bon et j'ai trop envie de lire. Ce livre depuis un moment et je le sors pas de ma palle, du coup il faut que je sorte absolument. Du coup voilà, je vous en parle pas parce que beaucoup de monde l'a déjà lu. Du coup voilà, après je chope les livres, je veux lire ça, c'est prévu aussi. Tristel Love d'Anna Hook de chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans. J'entends que du bon aussi. Je sais que le tome 2 et 3, je crois qu'il est déjà sorti. Du coup, il faut que je me mette à la page. Et celui-là, je pense pas non plus vous faire un briefing. Parce que je pense que tout le monde l'a déjà vu. Mais il me tombe bien. Par contre, ça. Je sais pas pourquoi il est encore là. Ça me saoule. Voilà. J'ai trop envie de savoir. Après, un qui a fait un perpète dans ma palle, c'est celui-ci. I Love You de Kate Allen chez Bookmark. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Je crois qu'il y a un tome 2 parce qu'il est marqué 1. Là, il est marqué tome 1. Ouais, c'est ça, il y a tome 1. C'est chez Bookmark dans la collection Infinity. Infinity Romance. Voilà. Je crois que c'était sur Instagram, j'en avais pu parler, il me tendait bien. Et ici, c'est une romance humour, colocataire sexy. Si je pouvais créer les règles, je le ferais pour moi. Lux est venu à Los Angeles avec son grand rêve, apprendre auprès de les meilleurs géographie et devenir danseuse professionnelle. Pour éviter à New York, tout se passe comme prévu, jusqu'à ce que quelqu'un soit poussé dans les bras d'un seul homme, capable de faire décoller la carrière ou de la ruiner. Mais ce n'est pas pour sa carrière qu'il devrait s'inquiéter, mais pour son cœur. Théo refuse de travailler avec cette aventureuse, mais bon, il n'a pas le choix. Personne se déplace pour
une piste de danse comme Alexandra Lexken et elle n'est que puissante et grâce, précision et passion, et elle dégage sur une scène et présente dont il est incapable de détacher son regard. Il la veut dans le ce groupe de dont il la veut dans son groupe, dans son lit. Quelques problèmes, il ne peut pas avoir les deux. Voilà. Il me tente beaucoup aussi celui-là. Après, il y en a un qui est toujours sur plastique, mais je pense que je vais pouvoir le retirer parce qu'il est cassé. C'est Red World for You de S.L. Brokaski. Voilà. J'avais entendu du bon aussi. Toujours pas lu. Mais voilà. C'est aussi de la danse. J'ai plume du web. Bienvenue à Red, le cabaret le plus branché de Brunten Gray. Ici, n'oublions tous vos petits tracas du quotidien et laissez-vous tenter par vos désirs les plus inavouables. Succombez par la tendance et évadez-vous dans l'univers de paillettes et de cours collectif. Voilà. Il tente bien aussi celui-là. Après, on va aller par là. Je sais plus où les prendre. Mission, la retrouver, le protéger, le mission love de Chloé Sling. Voilà. Chez Blacking, qui me tente aussi beaucoup. Et Opération Canopée, la zone de 3 fortions et récupérer l'otage à Saint-Sauvé, sauté. Une mission de routine pour moi. Fallon, mille nombres qu'une militaire élite et savait, souhaiterait, je sais pas comment on dit, souhait. Et si la prisonnière en question était pas son ex, Riley Robertio, nous irons jamais dû nous rencontrer. Elle hésiterait d'un empire pré-protégé, moi, des étudiants bourrés. Vous pourrez pas donc, pas du tout. Pas dû nous aimer jusqu'à nous déchirer, jusqu'à nous séparer. Voilà, il me tente bien aussi. Je ne sais plus parler, j'ai soif. Du coup, un qui date aussi dans ma palle. Je crois que j'ai une dédicace. Ouais, j'ai même pas la date, non. Je crois que c'est la deuxième. C'est Pathetic. You. Je sais pas vous prononcer, c'est de Jennifer Goretzky. Le tome 1. Voilà, c'est Plume du Web. Un élève de la session danse et Lucia Walk. Conversation située à New York, Walpop compte bien atteindre son plus grand objectif, réussir à concourir entrer pour l'intégrer. Le corps du ballet de l'opéra de Paris ambitieuse, motivée, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir ce rêve qui berce depuis son enfance. Enfin, ça, c'est avant de croiser la route d'un célèbre groupe de rock de Charlet. Voilà, j'ai pas tout lu parce qu'il y en a tout plein, mais c'est à peu près ça, quoi. Après, c'est que tout monte à lui et qui date aussi, qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Enfin, à un moment maintenant, les campus, off-campus, voilà le tome 1. Je crois que j'ai pas besoin de faire un drift. Je les ai tous dans ma palle et du coup, j'avais même mis un marque-page. Donc, je voulais le commencer, mais je ne l'ai pas commencé. Du coup, voilà.
Après, celui-là, il me tentait beaucoup et je l'ai jamais mis. Enfin, jamais lu. Juste mis. Lors C de LC. Voilà. Un destin m'a mis sur la route. J'ai froid mon pied. Un destin est mis sur la route. Voilà. Cette route enneigée sur laquelle j'ai eu un accident alors que mes pensées étaient tournées vers mon enfance. Cette route que je dévalais, croyant ainsi vivre des dernières instances, il m'a soigné, guéri, protégé, il m'a sauvé. Andrea. Je croyais à nouveau, c'était impensable qu'il m'a pourtant percuté dans la rue à Paris, sans argent, sans avenir, encastré dans ma vie de couple négatif, rabaissé, ignoré, n'avons aucun espoir de ne me relever. Alors que je pensais avoir touché le fond, Andrea me proposait je lui appartenais quelques heures par semaine et réglais les dettes. Je vous montre même plus le livre. Refusé et exclu, je ne peux m'en sortir. Il va m'évanouir. M'éveiller et un désir que je ne suis même pas prête à éprouver. Je vais réussir à y parvenir, mon cœur comme il a protégé mon corps. Le destin m'a encore mis sur la route, mais parvient-il à me sauver une seconde fois? Moi, Justine? Voilà. Par contre, si j'ai entendu, il faut pas. Je crois que c'est avec un public averti parce qu'il y a du viol, enfin faites gaffe parce que en plus enfin vous voyez juste un dos et une main, c'est juste ça en fait, juste mi, mais c'est écrit petit, voilà, on verra bien. Ce que tout le monde a déjà lu aussi, c'est Rebelle, l'University de Alfreda Owen et Alissa Garnier chez Hugo Roman dans la collection Nous Romans. C'est le premier tome que j'ai toujours pas lu. Je vais pas vous faire un briefing parce que je pense que vous connaissez. Une rencontre persuadante qui pourrait changer. Voilà. Celui-là aussi me tente beaucoup. J'entends beaucoup de bien. Voilà. J'essaie d'attraper les livres parce qu'ils sont très loin. Je me suis mis off limite. De Eugénie Dillen, je crois que je le dis bien, je suis pas sûre. Voilà, on va, c'est à l'université, on va suivre un hockey. Ok, c'est Dylan, et je sais pas qui, à New York. Voilà, on va les suivre. Il va se passer des choses, je suppose. On verra bien. Le cadeau de cette année de Mariette, du calendrier de l'Avent. Bienvenue à la fouette. Je l'ai dans la nouvelle version. Du coup, je le compte bien me le faire aussi. Il est très beau. J'en sais pas plus. Je veux bien. Je sais qu'on va y suivre des étudiants. Mais j'en veux pas savoir plus à certains livres. Parce que j'aime bien me plonger sans trop savoir des fois. Voilà. Après un nom auto-publié qui me tente depuis longtemps. Passer d'ici. Passe décisive de Rebecca Duasson. J'ai les tomes 3, 4, 5, c'est 3 ou 4, je sais plus. J'ai tous les tomes de toute façon. Et ici, je voulais juste la petite phrase que j'ai accrochée. Vous connaissez l'histoire où la fille Intello donne des cours particuliers aux sportifs stupides. Voilà, j'aimais bien le mot stupide de. On dit toujours que les sportifs, ils étudient pas en fait. Voilà.
Du coup, voilà. Après, on va essayer de choper tout ça. Parce qu'ils commencent à être loin. Après, je voudrais bien lire un hiver pour te parvenir de Morgane Moncomble, le tome 1, enfin le tome 2, ça c'est sûr qu'il va être lu, c'est un de mes projets, enfin c'est sûr et certain qu'il va y passer celui-là, parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai beaucoup apprécié, et comme ça tome 2 je vous en parle pas du tout, voilà. De toute façon tout le monde en parle, je vais me faire Divise, je sais pas comment ça se prononce, j'ai Plume du Web. J'entends que du bien. Ils m'ont donné trop envie, les gens. Je suis un mouton. Entrer dans un gang, jamais avalanche. J'aurais pu envisager de trouver une famille au milieu de toutes ces violences. Encore moins. Et pourtant. Voilà. Je ne lis pas le gros bazar parce que j'ai envie de me plonger dedans sans trop savoir. J'en ai tellement entendu que je préfère pas trop. M'en remettre la quatrième de couve en tête. Après, je pense que c'est celui que j'ai mis dans ma pile du 13, du 12, 12 livres. Enfin, challenge à table, 12 livres, la collector, ou c'est le collector qui est là-bas. Je pense que c'est le collector qui est là-bas. Mais c'est pas grave. J'ai pris Prunkluck, j'ai Plume du Web. Lui aussi, il me tente beaucoup. Et en tant que des bons avis, mais j'ai pas envie de me remettre le quatrième coup dans ma tête, du coup je suis allée comme ça. Le petit nouveau dans ma palle qui vient de sortir, c'est celui-ci. C'est un gros pavé qui me fait un peu peur. J'ai pas mis le gros pavé. Je suis en train de me dire. Si, il doit être un, oui, là. Voilà. La question. Je sais pas vous. Le tome 1. Juste triste qu'il ait abîmé là. On a vu qu'il a un coup de cutter. Voilà. Je sais même. Ah ouais, c'est chez BMR. Il me donne beaucoup envie. Maintenant, il me fait un peu peur de le lire. Parce qu'il est. Il fait quand même. Je sais pas combien de pages. Enfin, je pourrais peut-être vous lire la quatrième de couve. $795. Et je sais même pas, le tome 2 il sort quand? À suivre. Il n'y a pas marqué de date. Alors, celui-ci c'est un. Il faut. C'est de la dark, du coup, c'est un public averti. Dans la tranquillité trompeuse de la ville Wake des États-Unis, Rhys confie à la bibliothèque et plonge dans ses révisions. À des kilomètres de là. Masterney, Mestustré, allonge le froid tranchant de la nuit aussi glacial que le cavarve qu'il vient d'entrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant deux ont le même objectif, amener assez d'argent, Iris, pour payer les frais de scolarité à l'université. La mercenaine pour emmener à bien la mission. Mission donc, elle est à la cible. Désormais, il existe Iris et Lise à sept de cet homme pour connaître qui évolue et lui corrige et désire davantage sa vie qu'elle a toujours connue. La jeune étudiante se retrouve à la merci de Martien, donc impulsif, affrogé la réputation, celui-ci qui a été franchi pour la tuer. Voilà. Bon, cette de toute façon, celui-ci est à un public averti. Parce que c'est de la dark romance, là, il y a un truc averti. C'est. Un dark roman qui entre dans les codes de la romance classique, romance crime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Du coup, voilà. N'hésitez pas à regarder les.
Oh, les problèmes qu'il y a dedans avant de le lire, si ça vous intéresse pas, plutôt la dark et tout ce qui est un peu bizarre. Oh, on arrive à la fin. Presque à la fin. Je prends mon dernier livre là. J'ai mal ma jambe pliée en deux. Il y a À contre-sens de Mercy Rowe. C'est le livre de poche. Je les ai pris en petite poche comme ça. J'entends que du bien aussi. J'ai toute la série en plus. Voilà. Et ici, il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé que notre déménagement à Californie, chez notre nouveau mari militaire, non, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain et par-dessus le marché, hériter d'un demi-frère. Nick a tout pour déplaire, surtout quand il découvre le secret, sa double vie, course de la voiture fille barrage. En plus d'être la grosse riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouvais mêlée à son univers, malgré moi, alors que certitudes se mettent à envahir dans ma vie bascule. Ça fait un peu bizarre. Là aussi, de la dark romance de Pénélope Glouglas, le tome 1 chez HarperCollins Poche. Voilà, je vais pas trop en parler parce que j'ai envie de me plonger dedans sans en savoir, et j'entends déjà plein de choses. La petite phrase d'accroche: leur amour peut le sauver ou le détruire. Voilà tout ce que je sais et j'ai envie de me plonger dedans. Celui que j'ai pris aussi il n'y a pas trop longtemps, Longue Storky Show. Voilà. Celui aussi, j'entends tellement parler que j'ai pas trop envie. Mais la petite phrase d'accroche et découvrir l'histoire qui a convaincu tous nos communautaires TikTok pour les 10 ans de nos Nouronmans. Voilà. Et c'est un comédie romantique. Voilà. Il tente bien. Après un que j'ai depuis longtemps, j'ai en dédicace en plus. J'ai la dédicace. C'est Trouble-moi de Livzy. Je sais pas la maison d'édition. Ça fait un moment que je l'ai aussi celui-là. Ça fait bien deuxième couvent. Oh, il y a les pompiers qui vont passer, je crois. Vous allez en faire du bruit. Je vais attendre qu'ils passent. Ils arrivent. Je suis désolée si vous les entendez, c'est pour ça que j'attends. Mon chat n'aime pas, elle est juste à côté. Elle n'aime pas ça. Du coup, oh bah j'ai même le marque-page. Voilà. Directrice d'une chaîne de salles de sport sur la mauvaise pente. Eva est prête à prendre la reine, affluence tout son qui se mettra à travers de son chemin. Elle est déterminée, mais dès le premier jour, ce dé directeur a juste just né. Je sais pas comment se prononce. Ryan, un homme particulièrement séduisant, dangereux jeu de séduction entre eux. Ils pourraient finir par laisser cours à leurs désirs mutuels et vivre une idylle des plus sexuelles, mais tout n'est pas si simple. Ève a jamais connu l'orgasme et cette recherche du septième ciel l'a conduit à ne plus prendre plaisir. Aller même jusqu'à faire disparaître sa libido. Ryan K à lui, malgré sa belle gueule et le plaisir visible qu'il prouve à séduire les femmes, elle ne va jamais bien plus loin. Mais pour quelle raison?
Ces deux-là arriveront-ils à vaincre leurs troublés par leur relation? Ce qui n'est sûr, c'est que l'ensemble, il vaut vivre une histoire plus extraordinaire. Oh, il pense encore plus là. Je crois qu'il va passer avec beaucoup d'ifs avant. Chez Plume du Web, celui qui tout le monde est en train de lire, Red Falco. Voilà, il est trop beau. De l'Aurore Palel. Je suis désolée si j'écorche tous les noms, mais c'est compliqué les noms parfois. Wendy Parker attaque une équipe de hockey et son université et un pari parmi les étudiants. Depuis qu'il a mis une cause et une équipe, plus personne n'ose approcher. Sa réputation est précédée. Charlie, la jeune sœur de capitaine Skate, vient rejoindre son frère Billy et Swen pour la troisième année. À l'école, il est temps pour vous de faire table rase du passé et de se reconstruire dans cette nouvelle ville. Pour Billy, une fille condition qu'elle reste loin de nombre de son équipe et surtout loin de Wenson. Attends, j'arrive. Me revoilà. Faudra que je coupe une grosse partie. J'ai oublié de vous couper. Vous mettre en pause, c'est pas grave. C'est dur de monter deux étages. J'ai reçu, malgré tout, de ces vidanges que je vais peut-être mettre dedans pour lire. Je suis morte. Parce que j'ai le tome 2, mais pas le tome 1. Du coup, je sais plus où j'en étais. Mais voilà. Vous voyez comme je suis essoufflée. Et le dernier qui me fait. Ah non, l'avant. Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs encore à vous montrer. Non, j'en ai encore à vous montrer. J'en ai encore 3, 4 à vous montrer. Un qui me fait plus peur parce qu'il est gros. C'est un pavé. Ne me fuis pas. De Mila One. Chez Plume de. Non, c'est Blacking. Version intégrale. Intégrale. Excusez-moi, mais. Je suis morte. Je pense peut-être regarder pour me le faire en sur la liseuse celui-là. Parce qu'il est tellement gros. À 19 ans, Maya est torturée par son passé. Elle est érigée sa souffrance comme une tremplin. Elle protège du monde qui l'entoure, même ses proches. Les heures de son mustin. Excusez-moi, mais. Interview complète la musique et devenu son refuge et de son principal mode
Dispersion. Oh, il est lourd celui-ci. C'est horrible. C'est tout ce qui lui reste. Sur son chemin croise celui de Roméo Benatti, hésitant d'une rebelle musique. Il était soi-disant présente et critique. Tout lui résiste, mais seule la famille lui importe. Jusqu'à ce que les yeux se posent sur Maya. Elle devient alors son objectif. Il veut la posséder, l'aimer et la protéger. Tout devrait se séparer, cependant, à leur rencontre. Mais Mendre, une attirance incroyable, mais dangereux. Voilà. Romance contemporaine. Une romance contemporaine, celui-ci. Mais il me... En plus, ils sont beaux. Regardez, là, il y a plein de petites musiques, lettres de notes. Il a l'air pas mal, quand même. Voilà. Et en plus, il a l'air de bien s'ouvrir, quand même, pour lire. Voilà. On va terminer avec les trois derniers. C'est qui me donne... Est-ce que celui-là... Non, celui-là, je ne vous ai pas montré. Je n'ai plus que trois. Celui-là, je l'ai commencé en audio. C'est maintenant... Enfin, hier. Miss Leon, puis... Voilà, je ne vous en parle pas trop. Je l'ai commencé en audio. Je suis déjà au chapitre 8. Du coup, j'aime beaucoup. Celui-là, je le range déjà. Mais il est déjà dans ma... En train de commencer. J'ai pris un... Séparon... Yung, je sais pas comment ça se prononce, Yung de Elvi Chen. Je vais pas vous lire la quatrième couvre, juste la petite phrase d'accroche. Même le monstre on fallait tel pourrait être la sienne. Même le monstre c'est fallait. Enfin, je sais que c'est un peu une dark romance aussi. Voilà. Mais j'ai trop envie d'en connaître un peu plus. Il est quelle heure? En plus, j'ai mis ma montre 14h. Ouais. Un qui me donne très envie, un truc de pompier. Regardez cette couve. Bon, l'homme tout nu, je suis pas fan. Il est en pompier, ce serait bien. C'est auto-édité. C'est la caserne 90. Le passé empêche d'avancer. Elle va tout changer. Redemption. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire. Elisabeth Riley est déterminée amblitisure de volcanique. Journaliste, elle n'a pas sa langue dans sa poche, mais sa bonne humeur et la bienveillance la ressent. Hésitant, suite à sa passée amoureuse difficile, elle attire traîne de cet homme. Son problème. Sa rencontre avec Matthew Wilson, le lieutenant de l'unité d'élite des greppes au sein de la caserne 90, séduisant notoire, il est aussi existant qu'insupportable avec sa avec sa plastique de rêve et son ténébreux. Il est impossible de lui résister. Voilà. J'attends beaucoup aussi celui-là parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai dans ma palle. Mais il me tourne trop envie parce que j'aime beaucoup les pompiers. Voilà. Et le 1 qui est trop beau. Il est trop beau. Une réécriture de la bête. Je ne prononce pas le mot parce que moi l'anglais. Voilà, c'est de F.V. Esquil. Il va la tuer, il doit payer. Emprisonné dans son manoir, voué à une solitude éternelle, Damien observe les pétales tombant enfin et annule le malédiction qui pèse sur lui pour avoir commis d'un crime.
Il n'a qu'une seule solution, trouver l'amour à vrai. Mais comment est-ce que c'est possible pour lui qu'un homme au visage ravagé d'un homme qu'on a perdu son humanité, clos dans un lieu où le temps s'arrête? La vie de Victor bascule lorsque, à l'âge de 8 ans, il voit son père se faire tuer, lui qui rêvait auteur d'avenir, et c'est un tout autre chemin qu'il finit par emprunter. Devenu profit pour le FBI, il préférait parvenir à son but, se retrouver un monstre qui lui a volé un de très cher se venger. Victor veut voir le sang de la bête couler, mais le destin peut être malicieux et sa rencontre avec celui qu'il a toujours souhaité voir mort pourrait changer. Voilà. Il est trop beau. En plus, il est en toc-toc. Et alors, il est magnifique. Les pages, je ne sais pas si vous allez voir, un peu grisées. Il y a des petits dessins. Oh. Il est trop beau. Allez, vous voyez, il y a des roses partout. Il est trop beau, ce livre. Bon, il y a des roses à chaque chapitre, enfin, fin de chapitre. Il est trop beau. J'ai trop, trop, trop envie de le lire. Et le dernier, c'est un album de chez Glénat. Winnie Ourson. Les aventures de Winnie Ourson. Chez Glénat. Il est trop beau. En fait, c'est avant, dans la Gazette, il faisait des petites BD. Je vous montre. Hop. Il faisait comme ceci. Il y en a, c'était juste une petite truc comme ça et c'est tout. Parfois c'est une suite, mais parfois il n'y a que une petite bande dessinée. Voilà. Et du coup, j'ai trop envie de me le faire parce qu'il est trop beau et j'adore Tigrou. Comme vous le savez, là il y a déjà Tigrou. Et du coup, j'ai trop envie de me le lire. Voilà pour le dernier livre de cette page est un peu trop grosse. Voilà. Faudra me dire ce que vous en pensez. Putain, il y a déjà l'heure. Faut que je me dépêche. Voilà ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un des livres que vous souhaitez qu'on lise ensemble. Pourquoi pas? Je suis preneuse. Avec plaisir. Pour les sortir de plus vite de ma palle. Et voilà. Ou ceux que vous avez déjà lus. Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà lu certains livres. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce gros, parce qu'il va être. Ouais. Cette grosse vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye!